de savoir, il a laissé une identité digitale ou encore la trace de son empreinte digitale qui permet. Nous avons également retrouvé sur la scène une arme que nous avons matérialisée par les cavaliers numéro 5 et des études en coupé d'argent. Qui témoigne de la cohésion dans le groupe. Avec des bras, privés et devant là-bas, sur le légal, ce ne sont pas les Chinois, ce sont les Camerounais. Ce sont les policiers formés ici à Moubégué. Vous avez envoyé des enfants qui ne connaissaient ni rien, mais aujourd'hui sont devenus quelqu'un grâce à eux. Alors, et peu vite. C'est un réel sentiment de satisfaction qui m'anime en présidant ce jour au centre d'instruction et d'application de la police de Moutengene, la cérémonie marquant la sortie des élèves gardés de la paix arrivés en fin de formation. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer notre différente gratitude au président de la République, chef suprême des forces de police, son Excellence Paul Biya, qui avait autorisé en 2014 ce recrutement de 3000 jeunes Camerounais dans le cadre des gardes de la paix au sein de la sécurité nationale. Cette mesure symbolise, s'il en était encore besoin, la sollicitude constante du chef de l'État à l'endroit de la police camerounaise afin de permettre à ce corps d'État d'accomplir efficacement ses missions. Thank you so much, many things that will help us to do the work outside, to face the challenges we are going to face outside, because we know the work has so many challenges, but thank God we acquire all the skills that will permit us to come against these challenges. So how do you feel today? Yeah, it is one of the best days in my life. So I feel so happy, so happy, as I said, so joyful. So that's why I invited our parents to celebrate here with us today. C'est GPS Ngan, les bonjour qui vont. Pour mon sentiment, je suis vraiment très content. Vraiment très heureux de faire partie de ce corps. Et j'espère faire de mon mieux pour faire ce que le délégué à la sécurité nationale a dit, comme par exemple protéger les citoyens et tout, ce qui les incarne, tout ça.
Donc je serai vraiment très fier de faire ce qu'il a dit et de faire le travail comme il se doit.